C'est une révolution. Et vous verrez, dès que les échafaudages seront partis en septembre, apparaître vraiment un joyau de la fin du Moyen-Âge. Cette maison aux trois visages, ce sont plusieurs ciels qui nous contemplent. Elle a été composée de plusieurs bâtiments, dont le premier a été construit en 1470. Ensuite, deux autres maisons se sont accolées, ce qui permet d'avoir une maison un peu originale avec trois visages, avec des colombages, des croix de Saint-André, mais aussi une assise en pierre qui permet des encorbellements. Les commerces se sont implantés dès le XVIe siècle et les étages servaient un peu de stockage. Et donc actuellement, ils ne sont pas forcément occupés. Après, il revient aux propriétaires et aux copropriétaires de se mettre d'accord pour pouvoir ainsi réhabiliter et redonner de la fonctionnalité aux différents étages. 500 000 euros de travaux, la ville apporte 120 500 euros, l'État au titre des monuments historiques 208 000 euros. Et vous verrez, dès que les échafaudages seront partis en septembre, apparaître vraiment un joyau de la fin du Moyen-Âge. Il y a un choix de coloris qui a été fait en cohérence et en concordance avec les monuments historiques. On a retrouvé en fait les anciennes couleurs et la palette de couleurs d'ocre, un peu jaune, mais jaune clair. Donc c'est une teinte assez claire qui a été retenue pour permettre de se fondre aussi dans le paysage et permettre de mettre en valeur ces colombages et la structure du colombage.